Ah, vous êtes là. Oh, oh. Salut, c'est Jamel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois, je n'ai pas fait le ménage chez moi. Et comme mon chat est mort, asphyxié par la poussière, j'ai décidé de remédier à cela. C'est parti pour la nouvelle vidéo. Venez avec moi. Pour faire un ménage optimal, il vous faudra plusieurs accessoires. Vous aurez l'embarras du choix parmi plusieurs modèles d'aspirateurs. Pour commencer, un classique, le modèle Villers. Ceci, c'est le modèle Miel, avec 2200 watts, fabriqué en Allemagne. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le même modèle que moi, ce que je vais vous dire s'appliquera pour vous aussi. Comme vous pouvez voir, il y a différentes puissances d'aspiration. Donc ici, c'est la puissance minimale pour les rideaux. Si vous changez, c'est pour les canapés. Ceci, c'est pour les coussins. Celle-ci, c'est pour les malentendants, ceux qui ont des problèmes avec les oreilles. Celle-ci, c'est pour les tapis. Et enfin, la puissance maximale. Ça, c'est ce qu'il nous faut, parce que j'ai beaucoup de poussière. Comme c'est un modèle fier, il nous faudra trouver le fil et le brancher. Alors, pour l'allumer, c'est ce bouton-là. Attention, il ne faut pas le confondre avec celui-là. C'est pour rembobiner le fil. Ça peut être très dangereux. Ah mince, il y a un changement de tapis. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez changer la puissance avec ce bouton. Maintenant, une petite démonstration s'impose. À l'autre modèle, il faut savoir ranger le matériel. Venez avec moi. D'abord, débranchez-le. Et enfin, vous pouvez appuyer sur ce bouton. Maintenant, mettez l'aspirateur dans une position latérale. Et enfin, enclenchez dans le petit réceptacle la tête de l'aspirateur. Attention, ça peut prendre des années avant de bien maîtriser ça. Maintenant, on va passer au deuxième aspirateur. Le modèle sans fil Hongdae Lithium Power 14,8 volts. Ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je m'adresse à la tranche bourgeoise de mon audience. Ce qui est différent de l'autre aspirateur, c'est que en appuyant sur ce bouton, vous avez un aspirateur de table. Et oui, c'est incroyable, non? C'est ça d'y mettre un bon prix. Ça va. Ce modèle est plus simple à utiliser. Il y a juste un seul bouton, le bouton Power. En appuyant sur le bouton Power, la magie opère. Et de petites lumières s'allument au bout. Comme ça, ça vous permet de voir en dessous des meubles. C'est très très pratique. C'est ça d'être riche. Si vous avez écouté les manœuvres pour l'autre aspirateur, vous aurez tout compris. Vous savez quoi faire. Maintenant, je vais vous montrer comment on s'en sert de l'aspirateur de table. Voilà, vous faites des mouvements de va-et-vient sur la table et c'est parfait. C'est comme ça que ça marche. Ah merde! Ce tuto est terminé. Vous savez maintenant comment bien placer l'aspirateur dans la maison. Rendez-vous la semaine prochaine pour
pour un nouvel épisode des tutos de Jamel.